L'Expo TI, pour la 4e édition, regroupe les grandes villes du Québec ainsi que différents d'autres acteurs du milieu. Il y a une quarantaine de kiosques, au moins. Il y a au moins 400 personnes ici aujourd'hui, entre 400 et 500 personnes ici aujourd'hui. C'est un événement qui est de plus en plus couru. Vous voyez, le palier supérieur du gouvernement s'est associé cette année, il est venu présenter des choses. En plus des universités, des cégeps, mais on a maintenant des entreprises privées qui viennent aussi, pas pour nous vendre des produits, mais pour nous présenter des réalisations qu'ils ont faites à partir des données ouvertes que les villes ont rendues disponibles. Donc, des entreprises qui s'investissent dans leur communauté. Alors, tout ce monde-là est ici pour collaborer, présenter ses réalisations des 12 derniers mois, les mettre en valeur et échanger avec les autres. Alors ici, ça permet de mettre en évidence, de façon conviviale, qu'est-ce que chacun a fait, de quelles choses ils sont fiers d'avoir réalisé dans les 12 derniers mois. Ça, je trouve c'est très, très bon pour la profession. C'est entre nous, on apprend à apprécier, regarde ce que j'ai fait. C'est assez bon quand même, je suis fier de ce que j'ai fait là. Alors ça les pousse à aller plus loin même pour le futur. Le RMQ s'implique au niveau de l'Expo TI depuis 4 ans parce qu'on croit beaucoup en la collaboration. C'est un de nos leitmotivs qui génère l'échange entre les villes, qui nous permet d'avancer tout le monde ensemble, de créer des bons coûts, de partager ces bons coûts-là, de mettre nos ressources en commun, de faire diminuer les coûts pour les citoyens. Souvent, le rôle des TI, le rôle des employés des TI, c'est de se faire oublier. Dans le sens qu'ils travaillent ensemble à réaliser des choses, à faire marcher ce que j'appelle la machine à données ou à la machine à information. Puis si elle va bien, c'est parfait. Ils ont joué leur rôle. Sauf qu'ils ont peu de reconnaissance. Puis ici, bien, ça les valorise de venir partager avec leurs collègues. Ils se situent à la même place. Ils ne font pas affaire avec des fournisseurs qui veulent leur vendre leurs produits. Ils travaillent avec beaucoup plus d'ouverture. Puis la collaboration est encore plus grande. En fait, la collaboration s'est installée depuis fort longtemps, même avant l'Expo TI. Mais depuis l'Expo TI, c'est comme un moteur d'énergie qui augmente la collaboration et l'échange entre les ressources, pas juste au niveau de l'événement, mais bien par la suite, à travers les différents projets et dossiers qu'on a réalisés. C'est vraiment un comportement de communauté intelligente. La nouvelle orientation que prennent les communautés, de partager entre eux leur succès, établir des liens, découvrir de nouvelles choses ensemble, éviter les erreurs que les uns ont malheureusement connues, se servir des bons trucs pour que ça devienne les bons trucs d'un, devienne les bons trucs de plusieurs. Alors, tout cet événement-là est très apprécié. C'est à chaque fois qu'on fait le sondage, ça joue aux alentours de 94-97% de gens qui disent que l'an prochain, ils ont hâte de revenir. Parce que ce qui se dit ici, ce sont les vraies choses. Il s'est abri des vrais liens pour faire face à l'avenir. C'est ce qui est intéressant. Alors là-dessus, je vous souhaite de bonnes visites. Allez-y, échangez. Bonne journée.